contente de vous retrouver dans un nouveau petit vlog. Je suis ici parce que j'ai un petit colis à vous ouvrir. Mais voilà, je suis contente de vous retrouver pour vous donner un petit peu des nouvelles. Je sais qu'il y en a pas mal qui m'ont suivi sur Instagram et qui ont vu un petit peu ce qui s'était passé ces derniers temps dans ma petite vie. Oui, pour cette nouvelle année, il s'est passé des petites choses. Mes garçons ont été pas mal malades, comme je pense vos enfants. En ce moment, c'est la tournée des maladies. Mais mon fils, mon petit dernier qui a 9 mois, donc Ezia, vous avez suivi logiquement sur YouTube ma grossesse, etc. Et bien du coup, il a eu la grippe A. Et puis du coup, bah, ces deux derniers jours étaient difficiles. On les a passés, ces trois derniers jours, on les a passés à l'hôpital, du coup, à faire dérouler avec chérie, à s'en occuper un maximum pour qu'il reprenne du poil de la bête. Il a eu une semaine de fièvre, une grosse semaine de fièvre. Il commençait à ne plus s'alimenter au bout de 4-5 jours par rapport au premier jour de fièvre. Et les médecins traitants n'ont rien détecté à part nous dire Doliprane. Donc on a été vraiment très très fâchés contre ces médecins. Enfin, moi, j'étais particulièrement... Mais bon, après ils peuvent pas tout détecter, je pense. La grippe A, ils ont pas pu nous dire oui c'est la grippe A, mais à l'hôpital ils ont fait un petit examen au niveau des narines, au niveau des sécrétions nasales, et ils ont tout de suite vu que c'était la grippe A. Donc j'ai trouvé ça un petit peu dommage que ça ne soit pas détecté plus vite. Mais peut-être que nous aurions dû l'emmener assez vite aux urgences. Nous on est un petit peu, on évite les urgences quand il n'y a rien de grave en fait. Je sais qu'il y a des gens qui vont tout de suite aux urgences et qui ont un peu de fièvre, etc. Nous on évite d'y aller, on va plutôt voir notre médecin traitant. Donc là on a été voir deux fois quand même, et à aucun moment il nous a dit d'aller voir aux urgences tout de suite. Ils nous ont dit oui, si au bout de 2-3 jours ça passe pas, allez aux urgences. Mais en même temps j'avais l'impression qu'ils nous prenaient un petit peu pour des nuls, en disant vous inquiétez un peu trop pour votre enfant, alors que je sentais que c'était pas normal. Bref, parenthèse fermée pour mon racontage de vie, mais voilà, maintenant mon petit crapouillot est sorti hier soir de l'hôpital et tout va bien. Vous avez été nombreuses à me soutenir sur Instagram et sur Facebook, donc ça m'a fait beaucoup beaucoup plaisir. Encore une fois, vous avez montré que vous étiez une communauté au top et que vous étiez là, et donc merci. J'espère vous remercier encore une fois à travers des concours très prochainement. J'en ai de prévus, il faut juste que j'ai le temps. Avec tout ce qui se passe, j'ai pas le temps de faire des photos, etc. Des jolies photos sympas, donc, mais je vais essayer de lancer ça très très prochainement. Si vous avez envie de savoir un petit peu ce que vous êtes nombreux à me dire en ce moment, je fais des petits make-up sympas, lumineux, mais pas trop compliqués, et bah, n'hésitez pas à me dire. Là, je vais vous montrer tous les produits que j'ai utilisés pour ce petit make-up là, qui est assez simple encore une fois. Mais c'est vrai qu'il est pas mal, il est voilà, un petit make-up simple du jour, lumineux. Donc je vous montre tout de suite les produits que j'ai utilisés. Au niveau du make-up du jour, j'ai utilisé donc le petit fond de teint The Ordinary que j'aime vraiment beaucoup. Il est très 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 sympa, c'est ma petite Olivia de la chaîne Olivia More qui me l'a offert. Et du coup j'aime bien l'utiliser avec un bon concealer, enfin anti-cerne, parce que sinon il est pas extrêmement couvrant je trouve. Donc là c'est le Born This Way de chez Too Faced. Toujours sur le teint, j'ai utilisé ma poudre de soleil comme ça de chez Too Faced qui se fait vieille et qui se fait finie, hein. Et la nouvelle palette dont je vous ai parlé dans mon haul vintage de chez NARS, là, cette merveille, et qui est vraiment trop trop belle. Et j'ai utilisé ces l'enlumineur et ces deux blushs mélangés, c'est vraiment trop trop beau, belle pigmentation. Sur les yeux, j'ai utilisé, j'ai oublié de vous dire, en contour de l'œil, j'ai utilisé ma petite CC Powder de chez By Terry qui donne vraiment de l'éclat au teint. Et sur les yeux, j'ai utilisé celle-ci, la Sparkling Winter de Colorisis, qui est une palette bio. Elle est vraiment sympa, très bien pigmentée pour du bio, honnêtement, je suis assez épatée, mais c'est que des couleurs un peu irisées. Du coup, bah, j'ai utilisé pour faire mon creux externe, mon bronzer en fait, tout simplement, et j'ai utilisé surtout ces deux palettes-là, et un petit peu celle-ci en coin externe aussi. Et alors, en ras de cils, j'ai utilisé ce bleu qui est magnifique, en combo avec ce bleu, ce crayon de chez Clarins, un espèce de bleu comme ça, Waterproof Pencil, il est vraiment bien, c'est le 03. Blue Orchid, donc ça c'est pour les yeux, avec mon dieu toujours comme d'habitude Dior pour la base, et le mascara Kiko d'une gamme qui n'est plus disponible malheureusement, mais je le termine, j'aime beaucoup. Et puis sur les lèvres, le Volumizing de chez Catrice qui est juste un gloss que j'adore, qui donne de cet effet pumpé et puis qui colle pas du tout, j'aime bien. Donc voici pour mon make-up du jour. Dans ce petit vlog aujourd'hui, on va ouvrir des colis. J'ai pas mal de colis, j'ai quelques petites choses à vous montrer. D'ailleurs, je suis trop contente, il y a des choses que voilà, je suis trop trop contente de vous les faire découvrir. Et je pense qu'aujourd'hui, j'aimerais bien, ma mission, c'est d'aller me faire épiler. Oui, le truc de maman que j'ai du mal à faire. Et d'aller aussi à Babou, parce que j'ai vu qu'il y avait des beer robbers. Hein. Ma copine divine DPZ m'a montré ça sur Instagram et je me suis dit, mon dieu, faut que j'y aille, des beer robbers Harry Potter à 2€. Donc il faut absolument que j'y aille aujourd'hui, j'espère que je vais en trouver pour en acheter pour ma classe. Oui, j'aimerais bien en acheter pour mes élèves, pour leur faire goûter, faire le petit challenge et tout. Je me dis que ça va être trop trop bien, ça va trop leur plaire, et encore une fois...
Je serais une maîtresse au top. Non, si c'était que ça, non. Mais en tout cas, voilà, j'aimerais trop leur faire découvrir. Donc, il paraît qu'il y a d'autres choses à Harry Potter, donc j'aimerais bien aller voir. Donc, ma mission du jour, c'est ça. Est-ce que je vais pouvoir faire ça en gérant mes enfants et tout, sachant que mon petit dernier, voilà, j'ai pas envie que mon mari il gère tout le monde et tout. Donc, on va voir ça, on va s'organiser. Mais voilà, j'ai reçu déjà un premier colis de chez Lush. Comme d'habitude, les colis Lush sont trop beaux. Hein. Je ne sais pas ce que vous allez en penser, mais vraiment très beaux. Et ben, c'est la collection, logiquement, de la Saint-Valentin. Et avec des petites choses très sympas, j'ai vu un petit peu leur petit document presse. Et il y avait des petites merveilles à l'intérieur, donc je ne sais pas ce qu'ils m'ont mis dedans, mais j'ai hâte de découvrir. Pour information, les petits zigouigouis, ce ne sont pas du polystyrène, hein, je vous l'avais déjà dit dans une vidéo, mais je crois que c'est des fécules de maïs ou quelque chose comme ça, qui sont même mangeables, je crois, si je ne me trompe pas. Mais en tout cas, voilà, c'est Lush est encore une fois dans son esprit un peu vegan, recyclable, etc. Ils font vachement attention à ce qu'ils utilisent. Bon, je vais en mettre partout à côté de moi, je suis ravie pour l'ouvrir. Donc ils m'ont mis un petit mot, comme d'habitude la team Lush, ils sont trop sympas. Hello Carrie, comme promis une sélection de produits issus de notre collection Saint-Valentin, j'ai hâte de savoir ce que tu en penses. Bah, merci encore Tini, donc elle m'avait envoyé ça dans un petit pochon trop beau. À chaque fois que j'ai des petits foulards comme ça, je les trouve magnifiques, je les garde précieusement. L'autre il est déjà rangé, hein. J'en avais un pour la fête des mères. Il faut aussi des collections pour la fête des mères, trop divin, je trouve que c'est le cadeau parfait pour la fête des mères. Donc là, nous avec Chérie, on s'offre pas de cadeau de Saint-Valentin, mais je trouve que là ils ont fait un petit effort sur enfin, ils font toujours des efforts Lush, mais là ils ont fait des petits trucs un petit peu coquinou, je trouve, qui peuvent peut-être vous donner des idées pour la Saint-Valentin. Ils ont vraiment une belle sélection, donc on va découvrir ça ensemble, mais je suis trop contente. Ça fait longtemps que j'avais pas eu des produits Lush à tester, donc je suis trop méga contente. Ils ont fait des savons, il y a du gel douche, voilà, il y a plein de petites choses. Donc là, je découvre emballé comme ça le Prince Charming, c'est un gel douche solide. Et ça, je suis trop contente encore une fois de le tester. Donc ça a une forme de bouteille. Ils sont trop bons. Oh là là. Voilà, une forme de bouteille. Alors le plus galère, hein, c'est comment je vais le stocker dans ma salle de bain, mais voilà, vous l'avez avec, c'est un gel douche, et je trouve ça trop original, vous voyez, un gel douche en forme de bouteille, mais solide, je trouve ça très sympa, encore une fois, réduction des déchets, donc ça c'est très sympa, donc je suis contente. Ensuite on a le Love Locket Amazeball, donc ça a l'air d'être une boule de bain, puis il est arrivé tout détruit. C'était un cœur avec un cœur, donc le cœur rose avec un cœur bleu, je vous mettrai une photo juste ici, parce que là il est tout cassé. Mais c'est pas grave parce que justement dans le bain je vais le mettre par morceaux, hein, donc c'est pas trop grave, mais je peux pas vous le montrer, mais ça sent très bon. Ça c'est l'odeur vraiment typique de Lush, cette odeur de bain, de douceur. Ensuite on a une barre de massage, la Naked Attraction, et celle-ci je crois que c'est une petite barre coquine un petit peu, hein. J'ai trouvé ça trop, enfin, vous avez compris, j'ai trouvé ça trop mignon, et c'est une petite barre de massage en forme de cœur d'homme. Ça sent bon. Ça sent un petit peu frais quand même. Beurre de cacao issu du commerce équitable, beurre de karité issu du commerce équitable. Ah, il y a l'huile essentielle d'ylang-ylang. Ça sent très bon. C'est une odeur vraiment relaxante et fraîche en même temps. Et le petit dernier, le peachy. Ah oui, j'ai trouvé aussi trop coquinou celui-là. Je pense que je vais vous faire une petite photo coquine un peu sur Instagram. Ah ouais, j'ai trouvé trop mignon. Et celui-ci, c'est quoi exactement? Je ne me rappelle plus. C'est un savon. Regardez-moi ce petit savon. Il est pas trop chouette. Ils sont très bons. Ça sent le frais. Il est, voilà, il est vraiment très beau. En forme de pêche comme ça, un petit peu de petite fesse. J'ai trouvé ça trop mignon. Vraiment, je trouve que la collection là, elle m'a fait rire. Et en même temps, je l'ai trouvé très sympa. Il y avait une petite aubergine aussi, un savon en forme d'aubergine. Il y avait pas mal de choses intéressantes. Donc je suis méga ravie. J'ai hâte de mettre tout ça dans ma salle de bain pour le tester. Bon, en tout cas, merci à Lush, hein. Je vous ouvrirai tout à l'heure la Dégustabox et j'ai eu un colis Amazon aussi. Je crois que c'est une Ring Light, logiquement. Donc je suis trop contente, on va pouvoir préparer ça. Je pense que je vous ferai une vidéo sur un petit peu le matos que j'utilise pour faire des vidéos. Vous me direz si ça vous intéresse ou pas. Mais j'aimerais bien vous faire ce style de vidéo. Je vais ranger toutes les petites choses qui sont tombées par terre et je vais essayer de vous emmener avec moi chez Babou ou vous montrer mes trouvailles si je trouve. Je n'ai pas travaillé lundi et mardi, mais du coup bah forcément j'étais avec mon petit crapouillou. Donc là jeudi et vendredi je reprends le boulot, donc j'ai hâte de retrouver mes élèves quand même, faut le dire, hein. J'ai hâte de faire ce que j'avais prévu de faire avec eux. J'espère que je vais pouvoir rattraper un petit peu ces deux jours puisqu'ils ont eu un jour une remplaçante mais pas le deuxième jour, donc je suis pas sûre qu'ils aient beaucoup travaillé, les pauvres petits pères. Donc on va faire ça, on va essayer de rattraper ça. Donc je vais sûrement préparer des petites choses ce soir aussi pour eux. On va voir. En tout cas, j'espère que ce vlog va vous plaire.
N'hésitez pas à liker dès maintenant et puis on se retrouve tout à l'heure. Au lait, au cacao. Il y a du lait. Bah il y a du lait et du cacao dedans, ça a l'air bon. Hein, tu vas goûter après? Oui. Mmh, c'est très bon. T'aimes bien ma chérie? Oui. Alors ça a quel goût? De lait et de cacao? C'est comme un yaourt ou pas? De cacao et de lait. Bon bah tant mieux si t'aimes bien. La Dégustabox est juste une tuerie, je sais pas ce que vous allez en penser, mais elle est trop trop bien. Petit déjeuner, déjà le thème, j'adore. Jus d'orange, ça servira. Le 4 quarts, pardon. Si nous on le mange pas, je m'en servirai en classe, c'est sûr, parce qu'il est tout neuf, tout beau. Donc ça servira en classe si je le mange pas avec mes enfants. Mais c'est toujours une valeur sûre. Le pain qui est tout nouveau là pour mettre dans le toast, c'est très bien, je testerai, ça je connais pas mais ça sera une belle découverte. Les petits gâteaux, biscuits, Belvita, ça je vais les emmener dans ma classe, donc ça va être très très bien aussi. La pâte à tartiner Lindt, je l'ai déjà mangée, je crois que c'est Mélanie qui me l'avait offert dans une box il y a très longtemps quand on faisait des box. Et j'avais adoré, donc logiquement celle-ci elle va me plaire aussi, donc vraiment une box au top. J'ai ouvert donc le ring light, mais je sais pas du tout à quoi il ressemble. C'est de la marque Nowhere, si je me trompe pas, N-E-W-E-R. De toute façon, je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est une marque de ring light qui est très très connue sur Amazon. Vous les trouvez très facilement. Je pense que c'est quasi eux qui ont le monopole, on va dire ça comme ça. Et je suis trop contente d'en tester une. C'est une... Alors moi j'en ai déjà une, vous le savez, si vous suivez mes vidéos. Elle est de cette marque là aussi, j'en suis méga ravie. Mais je crois que celle-ci, je l'ai pris un tout petit peu plus petite, parce que la première fois j'ai pris le grand anneau, et là j'en voulais un plus petit pour refaire des make-up un petit peu plus proches et tout. Peut-être que ça sera de meilleure qualité, je ne sais pas. Donc comme mon ancien anneau, il y a la petite télécommande pour faire des réglages, mais je vous avoue que j'ai jamais trop regardé comment ça, on s'en servait. Il y a le pied. Et il y a cette fois-ci, et ça c'est trop cool, je suis trop contente, il y a la pochette de rangement. Et comme je vous ai dit, il est plus petit, donc je pourrais même m'en servir pour tout ce qui est scrap et tout. Voilà, vous avez la marque, alors N-E-W-E-R, 2-E. Et là, il y a la trousse de rangement, et c'est trop cool. Si j'ai envie de l'emmener quelque part et tout, ou pouvoir filmer en bas quand je suis pas, quand les enfants font la sieste en haut, j'ai pas trop l'occasion de filmer. Et il est vraiment plus petit, tiens. Je vais vous montrer la taille. Ah ouais, trop bien. Il est vraiment plus petit. Moi, celui que j'ai, il est vraiment plus grand. Du coup, un petit peu moins pratique. Et là, je pense que pour des make-up de plus près et tout, ça va être très très bien. J'ai hâte de l'utiliser, de vous montrer ça. Donc à l'intérieur, il y a les caches pour mettre dessus. Il y a les caches blancs pour faire lumière blanche. Ou vous pouvez aussi les caches orange pour faire une lumière un petit peu plus orangée. J'ai jamais testé les caches orange, j'avoue. Il y a des petites notices et tout, d'explications pour vous monter tout ça. Bah, je vais monter tout ça, puis je vous montrerai tout à l'heure le résultat final, comment j'aurais mis en place tout ça. Mais je suis contente. Alors c'est de très très bonne qualité, honnêtement je vous les conseille. Hein. Sur Amazon ils sont autour de 50 à 90 euros, bien sûr ça dépend le modèle que vous voulez, etc. Le mien, moi je l'avais payé 90 euros, je crois, un truc comme ça. Et celui-ci, je vous remettrai le prix ici, je ne m'en souviens plus, mais il était autour de 80 euros aussi, ou 70 euros.
Voilà, c'est le format le plus petit. Vous avez plusieurs tailles. Il n'y a que deux tailles, entre guillemets. Je crois que celui-là est autour de 30 cm et l'autre de 48. Donc voilà. Et il y a le pied, hein, évidemment, avec. Vous pouvez aussi, il y a des adaptateurs ici pour mettre le téléphone portable au milieu si vous filmez avec votre téléphone portable ou votre caméra. Je vais bidouiller tout ça, je vais regarder tout ça et je vous montrerai bien sûr le résultat après. Bon, on est toujours le même jour, mais je n'ai pas pu aller chez Babou. Je suis trop deg. En fait, c'était, il y a eu les aléas, belle-maman est venue, mon fils m'a vomi sur mon pull. Un petit vomito comme ça. Donc du coup, bah, j'ai changé de pull. Et puis surtout, c'était bouché en fait pour aller à Babou. Donc c'était bouché de partout, vraiment. Tous les Babous qui sont autour de chez moi, c'était complètement bouché. Donc je vais essayer d'envoyer chérie en mission demain. On verra, hein. Mais de toute façon, c'est juste acheter des billets Robert, donc je pense que c'est une mission qui peut accomplir sans problème. Donc là, je vais m'atteler à monter mon fameux anneau et je vais m'occuper d'un swap. Je vous montre ça. Et voilà, la construction est finie. Ça m'a pris 5 minutes, hein, grand max. Il est tout petit, il est tout mignon. Et honnêtement, il est trop trop bien parce que il est encore mieux que le mien. Au niveau du pied et tout, je vais vous montrer, mais il est vraiment très bien fait. Même pour faire des vidéos, je pense, pour Instagram, etc. Ça peut être top. Donc voilà, j'ai installé mon téléphone. Il est voilà, pas très très grand, hein, c'est l'iPhone 11. Vous avez au niveau du pied ici une espèce de petite barre qui peut du coup se moduler. Alors elle est dure à moduler, mais vous pouvez du coup le tourner comme vous voulez à votre gré. Donc c'est pas mal ça, j'avais pas sur mon autre ring light. Je vais vous montrer le pied, il est vraiment de meilleure qualité que mon ancien. Je vous mettrai vraiment le lien en barre d'infos si ça vous intéresse, mais je pense que c'est un bon investissement pour celles qui ont envie de se lancer dans les vidéos et avoir une qualité à peu près correcte. Vous verrez peut-être pas bien, mais le pied est d'excellente qualité, vraiment. Mon ancien n'était pas aussi bien et je pense qu'il peut se lever très très haut. Donc si vous voulez faire même des vidéos debout et tout, ça peut être très très bien. Et le petit raccord là qui est là, et voilà, il est pas mal du tout, hein. Vraiment bonne qualité. Bon bah mon swap est emballé, j'ai quasi tout emballé, il manque deux petites dernières choses qui ne sont pas encore arrivées. C'est le carnage à côté, mon petit crapaud qui est là. Il me reste mes gourmandises aussi qui sont à côté à mettre à l'intérieur. Et oui, lui il va mieux maintenant, petit crapouille. Ah, t'es en forme maintenant, mon petit Kezia. Ah oui, bah, tu veux manger le papier cadeau, bah bravo. Bon bah maintenant je vais descendre, mais en tout cas j'ai hâte d'envoyer ça à ma petite Lily. Coucou, on se retrouve, on est donc le jour suivant, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui j'ai reçu deux colis, mais il y en a un que j'ai unboxing, je vais le faire l'unboxing sur Insta, et puis l'autre bah, je vous en parlerai, c'est des achats encore soldes de Sephora. Une vidéo qui arrive, j'ai fait exactement le même make-up qu'hier, ce que j'ai bien aimé, je me suis dit, allez, on reste sur la même lignée. Là on est donc le midi, j'ai retrouvé mes élèves, puisque j'avais été absente, vous le savez, donc j'ai retrouvé mes élèves, c'était trop content de me retrouver, ils m'ont fait trop rire avec la remplaçante. Enfin bon, les élèves ils trouvent toujours plein de défauts aux remplaçants, ils me font trop rire. Bon, ce qui m'a agacé, c'est qu'elle a travaillé sur le cahier du jour, et ça... Bah ça m'a saoulé parce que elle a pas corrigé certains cahiers évidemment. Donc moi j'ai pas envie de faire le travail derrière, le travail qu'elle aurait dû faire. Donc ça m'a cassé les pieds, elle aurait pu travailler sur le cahier d'essai, hein, le cahier de brouillon un petit peu, voilà, je sais pas pourquoi ils font dans le cahier du jour, surtout quand il reste qu'une journée avec la moitié de la classe. Enfin bref, c'est pas grave. Là je vais aller m'occuper de mes crapouilleux pendant la pause de midi et puis il faut que je fasse des petites commandes pour mes élèves parce que ils veulent dans la boîte à trésors des nouvelles petites choses. Donc faut que j'aille regarder ça, voir si je trouve des petites choses intéressantes pour remettre dans la boîte à trésors. On va voir ça, on va voir ça. J'ai quand même une tête de fatiguée, hein. Je sais pas vous. Ah d'ailleurs, je voulais vous dire pour la dégustation, j'ai goûté les espèces de pain de mie là, c'est trop bon ces trucs là, les carrés dorés là, carrés je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est trop trop bon. Et j'ai goûté la petite barre de céréales qui était dans la dégustation Box et je l'ai goûté pendant ma pause ce matin de récréation et elle était trop bonne, la marque Yes, donc je connais pas, mais c'était trop trop bon. Voilà, pour l'instant la Dégustabox, je crois que voilà, je valide quasi tout, il y a vraiment aucun produit qui ne me plaît pas, c'est bien la première fois que tout va être mangé, tout tout tout, parce qu'il arrive des fois qu'il y a un petit produit, on n'est pas sûr, on sait pas trop si on va aimer, mais là tout était top. Je sais pas ce que vous allez en penser. Comme d'habitude, pour la Dégustabox, je vous mets un lien de parrainage en dessous avec 5€ de réduction, les frais de port gratuits pour la première commande et un produit gratuit à l'intérieur, je ne sais plus c'est quoi en ce moment, mais ça change tous les mois. Donc je vous mettrai ça dans la barre d'infos si ça vous intéresse, ça peut toujours plaire. Mais là, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais je la trouve top. Bon, on se retrouve peut-être tout à l'heure ou demain. Chérie est parti en mission pour moi chez Jiffy, je vous l'avais dit, et il a trouvé tout ce que je voulais. Donc plein de billets Robert, j'en ai pris 12. Je vais partager avec mon directeur, mais je suis trop contente. Elles étaient à 1,99€, donc voilà, 2€ la billet Robert, hein. Et en plus là, quand on en prenait 4, on avait le petit pack. Je trouve ça trop mignon. Donc ça, je suis trop trop ravie, je vais l'emmener demain à mes élèves. Et j'ai pris ça aussi pour partager dans ma boîte à trésors.
Ça va être très très sympa. Donc comme ça, ça fait plein de petits lots pour la boîte à trésors. Il y a des stylos, des crayons, un carnet, une règle, une gomme, un taille crayon, une trousse, Harry Potter. Donc je pense qu'ils vont être méga méga contents, mes élèves. Hein. Donc c'est top. Je me suis pris ça pour mon ordinateur de classe, puisque moi j'ai un ordinateur à l'école dont je me sers avec mon TBI. Et je me suis pris ça parce que je me suis dit que ça allait être cool de mettre des petits stickers un peu dessus, comme ça, le customiser. C'est gadget, hein, mais c'était histoire d'être dans le thème à fond, dans la classe, même mon ordinateur. Et chérie, il a repris ça chez Auchan, vous voyez, on a adoré dans la Dégusta Box, on en a déjà racheté. Donc là, je vous jure que c'est trop, trop, trop bon. J'ai reçu aussi aujourd'hui du coup ma commande Vinted, dont je vous avais parlé dans ma dernière vidéo, haul, Jiffy, etc. Vinted, je vous la remettrai dans le petit i. Et ma dernière commande, c'était pour 40 euros, tout ça. Donc j'ai eu un livre Harry Potter, bon c'est pas le... c'est le numéro combien 5 celui-ci je crois, à la coupe de feu. Mais voilà, c'est un petit format, ça servira dans ma classe. J'ai pris ce jeu-là, ils sont complètement sous blister, même pas ouverts. Donc Harry Potter à l'école, une année à Poudlard. Il est énorme, il est hyper lourd. Et le Cluedo spécial Harry Potter, encore une fois, voilà, je suis trop contente parce que ils sont tout neufs. J'ai trop hâte de les ouvrir et de les découvrir avec mes élèves, mais ça valait le coup pour le prix quand même. Je crois que c'est 40 euros en magasin et là c'était le lot pour 40 euros. Donc ça restait quand même raisonnable, en plus j'ai eu le livre, quasi gratuit, hein, donc c'est très très bien, je suis trop contente. Coucou, aujourd'hui sur le teint, j'ai utilisé du coup mon Airbrush Flawless de chez Charlotte Tilbury, qui est un petit peu foncé pour moi du coup maintenant, et avant la petite base Kiko comme ça, qui est en solde en ce moment d'ailleurs. J'ai utilisé ma palette NARS que je vous ai montré il n'y a pas très longtemps, ma poudre By Terry comme toujours, et sur les yeux vous verrez juste après, j'ai utilisé du coup ma nouvelle palette Natasha Denona Metropolis dans les tons verts. J'ai osé faire un make-up dans les tons verts avec le petit crayon aussi pour les yeux de Olika Olika, je crois, hein, une marque chinoise ou japonaise, je sais pas trop. Sur les lèvres, j'ai utilisé encore mon petit ciselé, comme ça, je vous en avais parlé il n'y a pas très longtemps dans une vidéo haul. Donc, je l'ai utilisé, mon petit duo Dior et Kiko pour les cils. Et en highlight, aujourd'hui, j'ai utilisé ma petite palette Root Cosmetics, qui est ultra méga pigmentée. Et j'ai utilisé le deuxième, le White Golden Dream, qui est un petit peu pêche, puisque j'ai utilisé les blushs qui sont un petit peu pêche. Donc maintenant, vous allez voir ma petite tête. Du coup, je vous retrouve, vous voyez un petit peu le make-up du jour. Voilà, j'ai osé un petit peu dans les tons verts, je sais que ça allait bien avec mon pull moutarde, donc je vous le montre un petit peu de plus près. J'ose pas trop le vert parfois, mais je me suis lancée aujourd'hui, je me suis dit pourquoi pas. Hier du coup j'ai travaillé mais j'ai pas eu la force de vous reprendre, je voulais un petit peu filmer dans ma classe avec vous, puis au final j'ai pas du tout eu le temps. J'ai ramené les petites surprises que j'ai achetées pour mes élèves, enfin que mon mari a été chercher chez Babou pour mes élèves, du coup ils étaient ravis. Ils ont hâte de tester ces petites bières au beurre, même si ils pensaient vraiment que c'était des bières avec du beurre, ça m'a fait beaucoup rire. Et du coup bon c'est trop marrant, on testera ça sûrement la semaine prochaine. Et j'ai été voir une copine youtubeuse, Emma Makeup Nails, si je ne me trompe pas. J'espère qu'Emma nous mettra un petit commentaire, ou en tout cas j'essaierai de penser à mettre sa chaîne en barre d'infos. Sur Instagram, elle met parfois des petites choses à vendre, et du coup je lui ai pris quelques petites palettes qui me faisaient envie, qu'elle vendait pas trop cher, du coup j'ai craqué. Et alors en plus de ma commande, elle m'a offert des choses... Vous verrez, c'est juste dingue. Je lui ai pris une palette de ses Juvia's Place, The Queen Palette... Funny X Juvia's, donc je pense que c'est une collab. Moi je ne connais pas Funny, mais en tout cas les couleurs me donnaient très envie. Et puis je suis un petit peu collectionneuse, du coup j'ai pas mal de palettes de cette marque là et j'avais envie de compléter ma petite collection. Et la The Warrior 3, celle-ci je l'avais vue quand elle l'avait achetée, j'avais vu sur son Insta et je me suis dit, waouh, faut trop que je la mette dans ma wishlist. Et je crois bien que je l'ai mis dans ma wishlist, donc il va falloir que je l'enlève de ma wishlist parce que je lui ai repris du coup. Elle est à peine swatchée ou à peine utilisée. Voilà, celle-ci, elle a des couleurs qui pètent. J'ose un petit peu plus les couleurs comme ça pétantes l'été. Mais en tout cas, avec Juvia's Place, quand j'utilise les palettes de cette marque-là, j'ose vraiment beaucoup plus de choses. Je trouve que les make-up sont vraiment différents des autres marques. Je sais pas, à chaque fois, je suis épatée par cette marque-là. Du coup j'ai complété. Et alors celle-ci aussi j'étais avec Emma quand elle l'a achetée, puisque c'était lors de notre rencontre avec Ella etc. Si vous avez suivi, au mois d'octobre on s'est fait une rencontre sur l'île. Emma était là. Et d'ailleurs beaucoup des filles qu'on a rencontrées, avec qui maintenant on papote tout le temps sur Insta, on se revoit et tout, vu que c'est des filles de mon coin. Donc c'est trop bien. Et du coup elle avait acheté la Girly Bible de chez Anastasia Beverlys. Et je pense que ça doit pas lui plaire, ou peut-être que les couleurs ça lui plaît plus, ou je sais pas. En tout cas, elle l'a revendée et je lui ai reprise. Vous la connaissez déjà puisque elles sont très très connues, hein. Elle est sortie il y a pas très longtemps. Du coup, je suis contente de l'avoir quand même à un prix très très raisonnable. J'ai hâte de l'utiliser. La qualité, de toute façon, Anastasia, il n'y a rien à dire.
C'est vrai que je l'avais pas acheté parce que les couleurs, je me suis dit bon, résiste un peu, je vais pas acheter tout ce qui passe parce que Anastasia, l'année 2019, a sorti tellement de palettes que honnêtement c'était dur de suivre, hein, à moins d'avoir un sacré budget. Donc là, d'occasion, je trouve que c'est plutôt cool. Et adorable comme elle est, elle m'a offert deux produits qui sont juste dingues, hein. Alors je vais acheter deux autres palettes mais je les ai déjà mis dans mon petit swap là. Du coup au niveau des cadeaux, elle m'a offert la palette Too Faced comme ça, chocolate chip, qui est complètement mate. Et je crois qu'elle a jamais quasi utilisé. Elle est vraiment trop trop belle. Et en deuxième cadeau, la folle, déjà c'était beaucoup trop, elle m'a offert un rouge à lèvres Morphe de la teinte Steamy et qui est un magnifique rouge. Alors moi je mets très rarement du rouge, mais vous verrez dans un de mes derniers hauls là, Sephora, qui va venir très prochainement avec les dernières soldes que j'ai pris, que j'ai craqué pour un rouge à lèvres rouge. Donc peut-être que je m'y mets de plus en plus. Donc celui-ci, sachant que j'en ai déjà un de cette marque là qui est vraiment bien, il est un petit peu dans les tons marrons celui que j'ai, je me dis que voilà, ça complétera mes premiers rouges à lèvres Morphe. Morphe. En tout cas, je suis trop contente. Et en plus, adorable comme elle est partie chez Action et elle m'a proposé de m'acheter les fameux coffrets, là, vous savez, de rangement. Et bien sûr, je vais rembourser, hein, comme je vais payer ma commande. Et elle est trop adorable, elle m'en a pris deux. Donc, je vais aller voir si ça rentre dans ma coiffeuse Ikea. Parce que je voulais soit les mettre dans ma coiffeuse Ikea, soit dans mes tiroirs Ikea. Vous savez, toutes les youtubeuses de beauté ont. Donc je vais voir si ça rentre parce que j'ai pas trop calculé et tout, sinon ça me servira dans mes tiroirs pour ranger pas du make-up mais ma papeterie etc. ou dans ma classe, hein. Ça servira toujours ce genre de petit rangement, mais c'est vrai que c'est trop trop cool qu'Action se soit mis à ça je trouve. Sinon le programme du jour, là je dois aller à la poste, j'ai mon colis swap qui est juste à côté, il est blindé, il est rempli, donc je vais aller le scotcher et aller le poster, comme ça ce sera envoyé, ce sera fini et j'aimerais soit aller chez Action, soit il faut que j'aille faire 2-3 courses chez Auchan puisque j'ai des petites courses à faire pour la maison. Du coup je vais voir, et Action je voulais aller trouver des trucs pour ma classe encore une fois, je voulais trouver des vases tous de la même forme à 4 euros. 4 vases différents, enfin 4 vases identiques tous de la même forme mais des vases basiques pas très grands pour faire les points des maisons avec les couleurs, des petites boules jaunes, des petites boules rouges pour Gryffondor, jaune pour Poufsouffle etc, et verte et bleu, mais il faut que j'aille fouiner ça. Donc je voulais aller voir ça chez Action, je sais pas s'il y en a, je sais pas si j'aurai la force aujourd'hui de faire tout ça. On verra. En tout cas, ce vlog se clôturera aujourd'hui, donc peut-être ce soir, comme ça je vous ferai un petit bilan ce soir de ce qu'il en est, et puis vous aurez cette vidéo demain en ligne le dimanche. J'espère qu'en tout cas ça vous aura plu déjà de me suivre un petit peu. Ça n'a pas été un weekly vlog d'une semaine, mais de quelques jours, avec quelques nouvelles, puisque c'était le retour des weekly vlogs. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à liker cette vidéo pour me dire si vraiment vous avez envie d'autres weekly vlogs, si vraiment ça vous plaît ce genre de vidéo. Je vous filme la semaine prochaine une vidéo dans ma classe, c'est prévu, c'est juste que j'ai pas eu le temps cette semaine, forcément, hein. Il s'est passé quand même pas mal de petites choses. Donc c'est prévu pour la semaine prochaine. Et voilà, j'attends vos réactions en commentaire comme d'habitude. Même si je n'ai plus beaucoup de temps pour vous répondre puisque vous êtes de plus en plus nombreux ici sur cette chaîne, je vous lis toutes. S'il y a moyen, je réponds. Je sais vraiment. Habituellement, je réponds à tous mes commentaires. Mais là, j'ai un petit peu de retard. Donc pardonnez-moi. Mais ça ne serait tardé. Dès que j'ai un peu de temps, je répondrai à tout ça. Mais en tout cas, je réponds aux questions s'il y en a, etc. Mais je vous lis toutes. Bon, je viens de revenir de chez Action, je vous montre rapidement les petites trouvailles que j'ai faites. Déjà, pour mes fils, je leur ai retrouvé des petites panières comme ça. Le lot de deux était à 6,30€, sinon vous pouviez les acheter séparés, il y en a une un petit peu plus grande que l'autre. J'en ai pris donc un lot de deux puisque ça m'intéressait bien pour mettre soit dans leur chambre, soit dans le salon, vu qu'on va tout redécorer le salon, je vous en ai déjà parlé. Eh bien, pour mettre une petite touche avec quelques jouets quand même pour eux, pour qu'ils aient quand même des petits jouets pas très loin dans le salon. Ensuite, j'ai pris des petites choses au niveau beauté, un petit masque pour les pieds à la noix de coco, je me suis pourquoi pas testé. Je suis pas ultra méga fan des masques de chez Action, mais c'est vrai qu'il y en a de plus en plus, il y en a pas mal qui disent que c'est bien, donc je me suis dit bon, allez, pourquoi pas. Celui-ci, vous entendez mes enfants qui jouent en bas. Celui-ci, un petit alpaga, là, il est trop mignon. Je me suis dit, bon, pourquoi pas. Et celui-ci, un peel-off masque holographic glow. Je sais que c'est gadget, mais ça me donnait envie. D'ailleurs, il y a quelques petits trucs de make-up, vous allez voir, c'est voilà. Des petites boules pour le bain à la banane. Et ça, c'est plus pour ma fille que moi, parce que je sais qu'elle aime bien mettre aussi des petites boules dans le bain. Au niveau beauté, j'ai retrouvé ça. Du coup, bah, Emma m'en a pris un, mais j'en ai retrouvé un alors que j'avais été la semaine dernière en chercher, ou il y a deux semaines, et j'en avais pas vu. Donc ils ont dû arriver entre temps. Là, il y en avait quelques-uns encore en stock.
J'en ai repris un parce que vu que je vais ranger tout à l'heure avec vous, je pense que je vais vous montrer un petit peu le avant après de ma coiffeuse. Bah je vais, je sais pas si j'en aurais eu assez avec les deux. Dans tout ce qui est make-up, j'ai pris cette belle trousse, oui j'ai craqué, holographique, 2,79€. J'ai hésité hein, mais elle est très qualitative quand même, elle est très bien. Et ça changera de ma vieille trousse Clarins que j'ai pour les voyages. Je vais la donner ou à ma mère ou la jeter, je vais voir dans quel état elle est. Et puis je vais mettre celle-ci pour mes petits voyages. Et du coup j'ai pris ça. Alors j'ai hésité parce que j'aime pas trop acheter de pinceaux comme ça. Petit prix, ils étaient à 3,79€, mais j'aime beaucoup les pinceaux éventail, j'aime beaucoup les pinceaux poudre. Et là le double embout, il est pas mal je pense pour les creux de paupières. Et celui-ci qui est pour les cils, il est toujours utile. Donc ils étaient quand même très beaux et je me suis dit qu'ils allaient tous servir. Parce que parfois dans les lots il y a des pinceaux, surtout chez Action, on va pas s'en servir, je sais que moi je les utiliserai pas. Là je pense que je vais tous les utiliser, donc je me suis dit ça pourrait être pas mal pour mettre encore une fois dans la trousse pour les voyages et tout, ce serait le combo. Il manque juste un pinceau blush et peut-être un pinceau contouring ou highlight, bon ça je pourrais trouver dans mes stocks, ça il n'y a pas de problème. Pour mes enfants ou pour ma classe, alors j'ai pris ça pour mon cartable de classe, puisque... En ce moment, je mets tout en vrac dans mon sac à dos et ça va pas. Donc, je me suis dit que je vais prendre ça pour trier un petit peu mes corrections par domaine, etc. Pour mes enfants, j'ai pris ça. Donc, le même, il y avait tout le rayon de Pâques qui était déjà là. C'est un carnet où si vous coloriez, un carnet magique, ça faisait, vous coloriez et quand vous coloriez au crayon de couleur, parce que je vois, ben, vous avez le dessin qui apparaît en dessous. Donc c'est facile, ça peut leur prendre une petite demi-heure tranquille de concentration. Je me dis que ça peut leur plaire, surtout à ma fille. Pour ma classe, j'ai pris ça parce que, pareil, c'était dans le rayon de Pâques, c'est des feutres, entre guillemets, qui peuvent marcher sur tout ce qui est porcelaine, métal, les petits pots transparents comme ça, sur quoi d'autre. Bon, ça marche sur plein de choses, donc je me suis dit pourquoi pas tester, pour faire peut-être une créa à Pâques ou même avant, j'aurais sûrement des idées pour ma classe avec ça. Pour la boîte à trésors, je vous avais dit que j'avais plus grand chose pour ma boîte à trésors. Ils m'ont réclamé des petites mains, donc j'en ai repris. J'ai pris un petit jeu comme ça qui avait l'air sympa. Je sais pas trop ce que c'est une petite lumière qui tourne, je sais pas trop quoi. Je pense que ça leur plaira. Ils m'avaient réclamé du slime, donc j'en ai repris un. Et ça aussi, je me suis dit que ça pouvait être sympa, ça pouvait leur plaire, un petit gadget comme ça. Je ne sais pas exactement à quoi ça sert, mais c'était dans le rayon enfant. Je me dis que ça pourra peut-être leur plaire, un petit casse-tête comme ça, un peu mou, pourquoi pas. Les enfants, j'ai pris des gâteaux Milka parce qu'ils adorent ces gâteaux-là. À mon grand étonnement, ils sont très très fans. Et de temps en temps, on leur donne un petit sachet de bonbons. Donc j'aime bien les acheter en sachet. Je sais que c'est pas écologique, etc. Mais c'est quand même pratique pour les calmer et les cadrer en leur disant « Tu manges ton petit sachet et c'est tout. » Donc voilà, j'en ai repris un paquet. C'est des spécial pack. J'ai trouvé des alphabets comme ça un peu sympas, un peu différents. J'ai pas forcément ce style-là. Voilà, je vous les montre. Et du coup, vu que j'aimerais bien reprendre les albums, je me suis dit qu'avec les prénoms Kezia, Oran, etc., ça pourrait être sympa ce genre d'alphabet. À la base, j'y suis allée pour ça et du papier toilette, parce que je trouve que le papier toilette chez Action, il est pas cher, il est plutôt bien. Donc j'y suis allée pour ça. Et tout ce qui est film aluminium, film zip pour ranger la nourriture au congélateur, etc. Donc ça, j'en ai pris plein, sac poubelle, etc. Je trouve que ça vaut le coup là-bas par rapport au magasin classique, donc j'en ai pris plein. Donc scotch, tout ça, tout ce qui est un peu basique comme ça, j'ai tout repris, mais je vais pas vous montrer là. Dans les basiques que j'achète là-bas, des pansements, parce que ma fille les mange à une vitesse folle. Des piles, d'ailleurs c'est le nouveau packaging, 1,79€ pour encore une fois les jouets des enfants. Et pour finir, juste à côté l'un de l'autre dans le magasin, dans le rayon beauté, j'ai pris un pouce mousse main, 98% d'origine naturelle, 100% biodégradable. Et alors celui que j'avais acheté la dernière fois n'était pas terrible, mais celui-ci l'odeur est plutôt sympa. En plus il est un peu festif comme ça au niveau des couleurs, donc je me suis dit pourquoi pas, il a l'air sympa. Et ça j'ai testé en magasin, c'est la crème pour les mains à la banane. J'étais sceptique, je me suis bon et tout. Il y en avait un qui était un peu ouvert et un peu déjà, comment dire, il y avait une bubule qui était sortie. Donc je l'ai pris, je l'ai testé sur mes mains et puis au final il m'a plu. Donc je l'ai acheté et elle pénètre très bien. Alors elles sont super bon la banane gourmande quand on la met comme ça. Après elle pénètre assez vite et après ça sent plus la banane. C'est pas le truc qui va rester hyper entêtant et tout. Mais du coup pour la journée, je me dis que dans ma classe pour m'hydrater les mains de temps en temps, ça sera très bien parce que j'y pense pas forcément. Comme j'utilise encore des craies, bah j'ai un peu les mains desséchées pendant la classe. Voilà pour mes trouvailles chez Action. Maintenant je vais ranger ma coiffeuse, je vais vous montrer un petit peu ça je pense, comment j'organise l'avant après. Et puis on se quittera.